What's up guys, j'espère que ça va pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire. C'est des unboxings. Donc là, c'est un petit colis avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Maintenant, passons au contenu de ce carton. Donc là, on va retrouver deux shotgun push de 12 coups. Alors pourquoi 12 coups? Ces poches sont beaucoup plus petites que les 24 coups, plus compactes. Donc environ 25 euros pièce. Ensuite, ça c'est un petit cadeau qui n'était pas prévu, des speed clips de chez Black Hawk pour fixer les poches rapidement. Merci. Ensuite, nous allons trouver des switch pour Streamlight. Ensuite, on va trouver un produit qui est excessivement rare, difficile à avoir. Ce sont les cummerbund JTAC. Sont les cummerbands pleines. Vous avez sûrement dû les voir sur les LVM BAV de chez TMC. Sur tous les LVM BAV qu'il y a, ce sont ces JTAC. Sinon, si vous achetez un Cry, vous allez avoir de grandes chances de juste avoir les cummerbands standard. C'est la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. C'est pas très joli et c'est pas du tout dans la tenue du marsoc d'avoir ce type de cummerband. Là, il faudra compter environ 170 euros. Hop, comme vous pouvez le voir, voilà, elles sont pleines. Ça pille. On va dire des plaques latérales balistiques. Voilà, et surtout, vous avez la fameuse poche radio pour mettre une PRC 148 dans l'idéal ou des chargeurs. On peut voir les deux. Parce que vu que vous en avez une de chaque côté, vous pouvez mettre soit deux radios, ou soit une radio et des chargeurs, ou soit que des chargeurs. Mast TCI, à quoi ça sert? Une PRC, c'est vraiment pas pratique. Donc l'antenne va se mettre entre les élastiques ici présents. L'antenne va sortir et vous allez pouvoir la placer, on va dire, n'importe où sur votre gilet. Donc ça, c'est environ 30 à 50 euros. Ensuite, on passe sur le plus gros produit. C'est le Mystery Ranch 3-Day. À son logo, voilà, qui se trouve juste devant. Voilà, c'est le logo qui certifie que c'est bien un Mystery Ranch. Si tout va bien, ça s'ouvre un petit peu à la façon de l'œuf d'Alien. Voilà, avec deux zips latéraux qui permettent d'avoir accès directement sans tout ouvrir au sac. Vous avez la fermeture éclair au centre et pour authentifier que c'est bien vrai, vous avez bien sûr l'étiquette, voilà, avec le numéro NSN et quand est-ce qu'il a été assemblé, blablabla, blablabla. Vous avez tout, c'est à ça qu'on peut voir que c'est un produit qui est authentique. Comptez entre 250 et 400 euros. 400 euros étant un produit vraiment neuf. Et ça, c'était un petit cadeau qui était à l'intérieur. Je pense que c'est un porte GPS. Salut à toi, jeune Milsimer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, mets un petit pouce bleu, active la cloche. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram et sur Facebook. En espérant que cette vidéo t'a plu, et à très bientôt.